Salut les amis, bienvenue sur la chaîne du Serial Gamer pour le deuxième compte rendu de Vide Grenier. Et c'est du lourd parce que j'ai dépensé 150 euros et il y a du lourd, il y a des jeux PS2. Bon, c'est pas des jeux ouf, mais je sais que je peux en tirer plus. Donc en gros, j'en ai eu pour moins d'un euro le jeu. Donc franchement, on est gagnant direct. Hein. Même si je les revends 2 euros, je suis gagnant direct. Hein. Donc on commence, alors là, je vais vous en faire une trentaine. À peu près, je pense, on va dire ça. Et il en restera encore une trentaine. Donc ça fera 3 vidéos en tout. Allez, on va commencer par un jeu PS2, hop, un Busta Block, voyez, fait par Midas. Alors je sais que les full setters de la PS2 aiment bien connaître le créateur des jeux, ils collectionnent souvent les jeux aussi par le créateur. Hein. Les plus connus c'est 505 Games et Midas. On sait que 505 Games, ils ont fait un jeu qui s'appelle Rule of Rose. Bah, alors, est-ce qu'il est dans l'eau, mystère et boule de gomme, on va savoir ça. Allez, c'est parti, on commence par le Busta Block, alors c'est le numéro 51713, c'est complet, bon, un peu, les jaquettes sont un peu moisies, les notices sont un peu, voilà quoi, c'est un peu moisi, mais par contre, les CD, tous sont en extrêmement bon état, c'est ça qui est bizarre. Si j'arrive à les sortir déjà, hop, regardez-moi ça, cette beauté. Donc du coup, tous les jeux, comme je vous ai dit, sont en état propre à l'intérieur, mais par contre, l'extérieur, voilà. Ça sent que le mec qui me les a vendus, les jeux, là, c'est le même mec qui avait jeté la console, la vidéopack là que j'avais parlé, là que j'ai revendu. Hein. J'ai réussi à le revendre à quelqu'un qui veut en prendre soin, donc c'est parfait. Et du coup, je lui ai fait baisser le prix parce que comme il avait cassé la console, tout ça, je lui ai dit, écoute, t'as cassé la console, machin, tout. Ben pour la peine, je vais te prendre tes jeux. Il en voulait pour plus de 200 euros. Hein. Je lui ai dit, ah non, 150 à prendre ou à laisser. Mais encore, 150, c'est quand même beaucoup. Hein. Y a quand même des jeux, c'est pas oufissime. Hein. Pas déconner. Donc du coup, j'ai pris tous ces jeux, mais malheureusement, ils sont un petit peu moisis, mais par contre, tous les CD sont dans un état extrêmement beau. Donc on a ce Busta Block. Allez, au suivant. Un Silent Scope. C'est au début de la série des Silent Scope. Ah, là, on a les cibles à tuer, là. On a 2, 4, 5 personnes à tuer. On a deux snipers. Et tous les CD sont en bon état. C'est sorti en 2000. C'est le numéro 50037. Allez, au suivant, avec le Alpine Sky Racing 2007. Alors, Bob Miller versus Herman Mayer. Ah, ils ont des toiles d'araignée. À mon avis, eux, c'est des fans de Spider-Man. C'est complet, bien sûr, mais c'est pas la boîte d'origine, je pense pas. Hein. C'est le numéro 54560. Oh, waouh. Wow, y a Spider-Man qui a fait sa toile d'araignée sur la boîte ou quoi, là? Dégueulasse, là, putain. 2006, je cherchais la date. Mon dieu, ce que c'est dégueulasse. Un Matt Hoffman Pro BMX 2. C'est fait par Activision et MCM. C'est la chaîne. C'est le numéro. Ah, bah tiens, j'ai cru que c'était ce numéro-là. Ça aurait été chaud. Hein. C'est le numéro 50871. C'est sorti en 2002. C'est un Tony Hawk, mais avec un vélo. Voilà. J'ai résumé en gros. Allez hop, au suivant. Hein, les Looney Tunes. Passe à l'action. Fait par... Ah, c'est Electronic Arts, putain, bah, donc, faut le voir le truc, hein, l'arnon. Hein. Tellement ils ont un gros logo, mais là non. Fait par EA Games, Karate Everyday et Warner Bros. Le CD, il est dedans. Oh putain, la boîte aussi, il est dedans. Les moisissures, il est dedans aussi. C'est sorti en 2003 et c'est numéro 51794. Extreme G Racing et non pas Extreme.G Racing. En tout cas, son point G, il doit être situé par là, à mon avis. Ah, elle est tordue, la meuf. Du coup, c'est fait par Acclaim. C'est complet. Et bah, il n'y a pas la date. Ah si, 2001. C'est numéro 50210. Au suivant. Formula One 2001. Official licence de production, machin truc, quoi. Édition limitée. Ah, ça vaudra très, très cher, ça. C'est le 50004. C'est fait en 2001, l'Odyssée de l'espace. Ça, c'est fait. Ah, il y a aussi un DVD, tiens, on n'a pas regardé, tiens, avant. Hop, on n'a pas regardé s'il y avait dedans. Ouais, yeah. C'est un DVD, yes. Oh, j'ai pas dormi de la nuit, là. Et ouais, ça, c'est à double prix, ça. Il y a un autographe. Il y a un orthographe. Il y a un autographe de la meuf, là. Oh, elle est bonne. Oh,
Si la meuf, elle me regarde, là, elle regarde ma vidéo, je veux ton 06, hein, madame. C'est un Pro Evolution, non, c'est un Pro Tennis WTA Tour. Fait par WTA Tour, vraiment. Oui. Il y a son autographe. Donc ce jeu, avec l'autographe, je peux en tirer au moins 2 euros. Alors, c'est fait en 2002, c'est numéro 50752. Elle aurait pu mettre son 06 au lieu d'un autographe, merde. Connasse. Bon, c'est le Tekken 5, celui-là. Fait par Namco, mais pas Namco chaud. Eux, c'est le Namco, mais froid. Ils sont tout froids. Alors attendez, je vais faire une mise au point parce que sinon c'est dégueulasse. Hop. Eux, c'est les Namco, mais froids. Ils sont tout froids, ils gèlent. Ils se pèlent les roubignoles. Donc là, c'est Tekken 3. Tekken 5, pardon. Sorti en 2004 et c'est numéro 53202. Ouh là là, ça c'est un jeu sous blister. Alors là, préparez les billets de banque. Bim! Un jeu sous blister, regardez-moi ça. C'est un Disney Singit, Puppets, avec eux là qui ont disparu là. Comment ils s'appellent eux? Jonas Brothers. Il y a des Demi Lovato et puis toutes les merdes là de Disney. C'est fait par SingStar et Disney, sans doute. Hein. C'est le numéro 55542. Bon, c'est pas ouf. Hein. C'est pas avec ça que je vais devenir riche. Hein. Et il m'a dit oui, oui. Oui, oui. Alors, ouais, bah, c'est oui, oui. Et les livres magiques. Hein. C'est fait par The Game Factory. C'est génial. L'Oréal E3 2006. Ma merde, je sais pas comment ils ont fait. Hein. Alors, c'est sorti en 2006. Bah oui, bah, légitimement. C'est 54 311. Waouh! Oh putain, mon dieu, quelle horreur! Un SingStar! Oh putain! 14,99$! Oh, j'aurais jamais payé ce prix-là! Hein. Oh, jamais de la vie! C'est du livre sterling, ça, hein, cette merde! Hein. Oh, ce truc-là! Excusez-moi, c'est pas de la merde, c'est le signe, là! Il y a plus bizarre! Peut-être que la reine mère, la reine là, d'Angleterre, elle y a joué, hein, sur ce truc! Hein. Peut-être que ça lui appartenait avant! Et du coup, elle l'a revendu. Hop! Un Total Immersion Racing. Fait par Automoto et Empire, machin truc. Ouais, bon. C'est pas la folie non plus, hein, mais bon. Ça peut rapporter un peu d'argent si je leur vends 2-3 euros, hein. Ça serait toujours ça de gagner. Ah, j'ai oublié de dire le numéro. C'est le numéro 51128. Ah, oh, il y a Grand Turismo 3, hein. J'en ai combien de ces trucs-là, merde. J'en ai un paquet de ces machins, là. Personne n'arrive à s'en débarrasser. Ah, il n'y a pas le P de Platinum. C'est le numéro 50294. Bon, bah, vous connaissez le truc, hein. C'est un CD avec un truc de voiture. Vous connaissez la chanson Street Oops. Ah, ouais, je dirais que c'est sa tête qui est Oops. Hein, parce que quand on la voit, sa gueule, mon dieu, Oops, quoi. Il n'a pas été réussi, lui. Il n'a pas été gâté. Hein. Il fait une de ses gueules, le mec. Alors, c'était fait quand, ça? 2002. C'est le numéro 50862. Ouais. C'est la gueule, le mec. Oh, mais merde, il y a combien, ces trucs-là, putain? Encore un SingStar Puppets 2. Oh, mon dieu, quelle horreur. C'est le numéro 54764. Oh, je vais les vendre dans l'eau, ces machins. Je vais tous les vendre comme ça. Je pense que j'ai le full set SingStar, là. Putain, avec tout ce que j'ai. Ah, ça change un peu. Un Pro Rally 2002. C'est le numéro 50637. Complet. C'était vu quand en 2002. Un flip nick. C'est-à-dire, c'est des flippers qui niquent. C'est complet. C'est sorti en 2003. Et c'est le numéro 52065. Ah, un jeu sous blister. Un MotoGP 3. Officiel Game of MotoGP. Avec un petit autocollant. Mais l'autocollant, il est au-dessous du blister, en dessous du blister. C'est fait par Namco. Namco froid. Oui, ils doivent se cahier, eux. C'est numéro 50982. C'est sorti en 2002. Heroes of Might and Magic. Quest for the Dragon Ball. Non, Dragon Bones. Staff. Fait par 3DO et New World Computing. C'est complet. Oh, c'est moisi aussi. C'est sorti quand, ce truc? En 2002. Perfect Ace Pro Tournament Tennis, fait par Oxygen Interactive. Ouais, c'est numéro 51735. C'est sorti en 2003. C'est pas la folie non plus. Hein. Et bon, pour les full setters de la PS2,
Si je les vends 2-3 euros, moi, c'est parfait. Un SWAT Global Strike Team, basé sur les petits jeux qui étaient sortis à l'époque. C'était des jeux de stratégie un petit peu à Diablo, je me rappelle. C'est des bons petits jeux, ça. Et là, c'est plutôt à la FPS, à la Rainbow Six. Hein. Sorti en 2003, c'est le numéro 51 1997. C'est 1997, quoi, en gros. Ah, Musique 3000. Je crois qu'il y avait eu un Musique 3000. Il me semble, sur PlayStation 1. Bon, bah, il est complet, bien sûr. C'est sorti quand? En 3000, ça? Non, en 2003. C'est le numéro 51363. Air Rangers, je vais dire Air France. Air Rangers Rescue Helicopters. Air Rangers Rescue Helicopters nécessite une carte mémoire. Bah, comme tous les jeux à peu près. Hein. Ah, ils sont pas chiés, ils marquent ça carrément sur la jaquette. Alors, c'est sorti quand ce truc là? En 2002, c'est 50 953. C'est fait par Midas, tiens. Midas Touch. Touch me, touch me. Ah, ce petit bruit de boîte qui tombe sur le bois là, ouh, ça me fait rêver. Red Faction en version Platinum par THQ, THQ, et maintenant il y a tout, épouser leur cause, ah, j'ai cru qu'il allait dire épouser leur femme. Alors, ça dépend si elle est bonne. Hein. Sorti en 2002, c'est numéro 50278, il n'y a pas le P. Il n'y a pas le P de Platinum, ils n'ont pas fait. Headhunter Redemption, fait par Sega et Amuse. Alors, donc, s'il est marqué Amuse, ça veut dire qu'on va s'amuser. C'est complet. C'est sorti en 2003. C'est le numéro 52512. Oui, il a. Comment ça s'appelle Des vergetures. Il y a des vergetures. C'est comme une femme, ça. En fait, les boîtes de PlayStation, c'est des femmes, en fait. Hein. Regardez, elles ont des vergetures. Il faut leur donner de la crème. Appareil Dakar Rally, fait par Acclaim. C'est complet. 2001, 50212. Et Mitsubishi. Hey, au suivant, encore un autre. Un V-Rally 3. On l'avait sous blister, du moins un blister dégueulasse. Hein. On aurait dit du cellophane pour la bouffe. Là. Et là, du coup, ben, là, on l'a en version non-cellophanée. C'est fait par Eden Studios et Atari. Sorti en 2000 et c'est numéro 50725. Ah, collection Quiz Music, Liquid Game. C'est sorti quand ça? 2005, c'est numéro 53599. Complet. Je crois que c'est pour l'instant, je crois qu'il y a eu qu'un seul jeu qui était pas de notice. Alors là, un WRC FIA, bah tiens, je l'ai sur PS3 celui-là. FIA World machin truc, Rally Championship, C4 machin, Sébastien Loeb, enfin bref. C'est le Platinum. C'est fait en 2005 et c'est numéro. Ah bah là, il y a le P là. C'est le 52389. Ah lui, il est mort, Sébastien Loeb, il me semble. De mémoire. Oh là, je confonds, non, c'est que. C'est Colin McRae qui est mort. Pardon, excusez-moi. Si Sébastien Loeb, tu regardes la vidéo, je suis désolé, hein, t'es pas mort. Hein. Oh putain, merde, un Gran Turismo 4 en version dégueulasse. Version dégueulasse et encore plus dégueulasse parce que c'est une version Platinum. Voilà, bah, je ne vous le présente pas, hein. De toute façon vous connaissez le truc. C'est fait en 2005, c'est le numéro 51719P pour Platinum. Oh mon dieu. Oh mon dieu, je dois avoir le full set là. Si j'ai pas le full set, je me coupe une burne. Ah, Six Star Legends. Ouais, bah, vous connaissez le truc, hein. C'est sorti en 2006, c'est le numéro 54197. Pas besoin d'en partir plus, hein. Alors, Kelly Slaters, Pro Surfer, mais c'est pas une meuf là, c'est pas une meuf qui s'appelle Kelly. Plus la boîte elle a des vergetures aussi. C'est un mec. À moins que les mecs s'appellent Kelly. Bon, enfin bref. C'est pas mon problème, ils font ce qu'ils veulent avec leur nom hein, et leur prénom. C'est par Activision, 2O. Et eux qui s'occupent de l'eau. Du coup, c'est sorti quand ça? 2002, c'est le numéro 51201. Ah, j'ai un cheveu de la langue. Burnout. Ah, j'ai cru qu'il y avait marqué Burn. Non, c'est Burnout 2 Point of Impact. Je l'avais celui-là. Moi, je l'ai peut-être encore. Hein. La version Platinum, celui-là. Fait par EA Games. Correct Everyday. C'est le numéro 52 968. C'est sorti en
2003 avec les moisissures aussi. Elle a bientôt fini, mais c'est pas encore fini. Hein. Un Guitar Heroes World Tour, fait par Activision, complet. Sorti en 2008, c'est numéro 55355. Oh mon dieu, quelle horreur. SingStar Energy Music Tour, London Studio, oh quelle horreur. Est-ce que j'ai besoin de me torturer avec ça? 52828. C'est sorti en 2004. Mon dieu. Pinball Play It. Non, Pinball fait par Play It, pardon. Complet. C'est le numéro 51555. Et c'est sorti en 2003. Mon dieu, encore une erreur. Coupe du Monde FIFA 2002. Le seul jeu vidéo sous licence officielle de la Coupe du Monde de FIFA 2002. Ah, c'est bon à savoir ça. Comme ça, il est bien dormir cette nuit. C'est sorti en 2002, c'est le numéro 50997. Oh mon dieu. Non, alors tiens, je suis dans la langue. Pas. Pas partir. Bon. Attendez deux secondes. Une artère de cheveux que j'ai dans la langue. Pas. Voilà, c'est fait. SingStar Bollywood. London Studios. C'est sorti en 2000, combien? En 2007, ouais, c'est que en version anglaise parce que c'est jamais sorti en France. Donc je pense que ce jeu sera un petit peu recherché parce que c'est une version en Bollywood. C'est jamais sorti en France. SingStar Bollywood. Ça, c'est intéressant. Peut-être que ça vaudra très très cher. Hein. Virtual Tennis 2. Sega Professionnel Legend Tennis. Bon, bah, c'est forcément fait par Sega et Acclaim. C'est complet. C'est sorti en 2001 et c'est le numéro 51232. Là, c'est le Formula One 2003. Official Licensed by Ubisoft Products, machin truc. C'est complet. C'est sorti en quelle année? Oh, bah, les mecs, ils sont même pas foulés, ils ont marqué hier. Ah, ils sont pas foulés, il y a marqué 97 et ils savaient pas quelle année ils voulaient le sortir ce jeu, putain. J'ai l'impression qu'ils savaient pas quand est-ce qu'il allait sortir. Hein. Parce qu'il y a marqué hier, il y a même pas l'année de sortie. Ah, ils sont pas foulés. Ah oui, on n'a pas dit numéro. C'est 51592 par contre. Ah, c'est ça que je veux devenir, moi. Ça. Who want to be a millionaire? Ça veut dire who, qui veut dire qui, veut, want, alors attendez, j'arrive pas à viser, want to be, donc être millionnaire. Donc en gros, ça veut dire qui veut gagner des millions, mais un millionnaire. Vous voyez qu'en France, nous, on s'est fait arnaquer, hein, parce que là, il est marqué millionnaire. Hein. Nous, on est, c'est, nous, en France, c'est millionnaire. Là, il y a marqué millionnaire. Bah oui, c'est la même chose, en fait. Non, c'est, oui, milliardaire, pardon, excusez-moi, j'ai dit une connerie. C'est milliardaire, pardon. Et là, c'est millionnaire. Ouais, non, c'est bon, j'ai dit une connerie. Donc voilà, c'est ça que je veux devenir. Millionnaire. Je suis en train de confondre, même millionnaire et milliardaire. Ah là, je dis une connerie. Millionnaire. Millionnaire, ouais, ça. Je sais même plus ce que je veux être. C'est fait en 2006. Oh putain, ils ont des sales gueules, les mecs, là-haut. C'est quoi cette gueule? Oh mon dieu. Bon, c'est le numéro 54199. C'est Who Want to Be a Millionaire. A millionnaire. Et moi, c'est ce que je veux devenir. Un millionnaire. Taxi 3. Bon, bah, ça c'est sûr, c'est pas un jeu anglais, hein, ni américain. Hein. C'est fait par Ubisoft. Il y a marqué quoi? 2003. Taxi 3, Europa, RP, TF1 Film Production. Appli Poulet. Il y a marqué Appli Poulet en bas. Appli Poulet, mais avec une faute. 2002. C'est par Ubisoft. Ah. Un billet. Ah, putain. Taxi 3. Alors, c'est sorti en 2003, bah oui, forcément. C'est 51377. Ah, il en reste encore qu'un, 1, 2, 3, 4, ouais. Et après, il y aura une troisième partie, je le ferai plus tard. Strike Force Bowling, fait par Playit. Complet, pour l'instant, ils sont tous complets. C'est numéro 53172. Et c'est en français, et c'est sorti en 2005. Guitar Heroes 3, Legend of Rock. C'est complet. Ah, c'est cool. Ah non, je crois que c'était la notice qui n'était pas bonne. Ouais, c'est ça. Legend of Rock, ouais, c'est ça. C'est pas en français.
Et c'est sorti en 2007, c'est le numéro 54962. Encore deux jeux à faire et c'est fini, je vous laisse tranquille. À Airblade, fait par Criterion, complet, en français, 2001, 50246. Et le dernier jeu, attention, c'est un jeu de légende, alors j'ai tous les jeux qui se cassent la gueule là maintenant, comme par hasard, à ce moment-là, merde, c'est Paris, Marseille, Racing, 2. Hop, je mets comme ça on voit bien. C'est fait par David Lex, hein, toujours ce mec-là. Hein. Alors on verra, on va faire un crash test sur celui-là, parce que j'avais fait un crash test sur le premier, Paris-Marseille Racing World Tour, je sais pas quoi. Et là maintenant c'est le 2, donc on va voir où est-ce qu'on va aller. Donc à mon avis, bah déjà on va aller à Paris, ça c'est sûr. On va aller à Marseille, ça c'est sûr. Et à mon avis, à ce qu'ils nous disent, où est-ce qu'on va aller? À mon avis, Lyon, ouais. On va aller par Paris, Lyon et Marseille, c'est tout. Montrez votre adresse au volant sur trois incroyables circuits bonus, Londres, Édimbourg et Las Vegas. Ils vont aller jusqu'à Londres et à Las Vegas pour aller à Marseille. C'est un peu loin. Hein. Bon, il n'y a que trois villes, françaises. Hein. Il y a Paris, Lyon et Marseille. Putain, ils sont pas foulés les mecs. Hein. Je sais pas, ils auraient pu faire la Bretagne ou je sais pas, la Normandie. Il y a plein de trucs à faire. Saint-Tropez. Bon, bah voilà. C'était le... Ah ben non, c'est pas tout. Non. Je dis, il en reste encore deux autres, mais c'est pas PlayStation 2. On a... Ah, jeu PlayStation 3, tout dégommé. Hein. Un Call of Duty Advanced Warfare. Je crois que je l'ai, celui-là, il me semble. Hein. Je sais plus. Ah, c'est Black Ops 2. Oh, l'arnaque. Je me suis fait vieux. Je me suis fait arnaquer. Putain, en plus, c'est pris aussi. Je me suis fait arnaquer. Non, j'ai pas acheté ça à 49 euros. Hein. Putain, la merde. Bon, bah, ça... Je sais même pas ce que je vais en faire. Je pense que je le donnerai en cadeau. Hein. Quand quelqu'un voudra m'acheter des jeux, je lui donnerai carrément. Donc c'est la boîte du Advanced Warfare. Et à l'intérieur, c'est Black Ops 2. Je vais prendre quelque chose. Et le dernier jeu que je vous présente, c'est... Need for Speed Underground. En version choix des joueurs. Ah bah je crois qu'il y avait un collectionneur, un full setter de choix des joueurs. Bah si tu regardes la vidéo, bah, si tu la veux, n'hésite pas à me contacter. Hein. C'est le choix des joueurs apparemment... Need for Speed Underground sur GameCube. Ah, putain, j'ai dû l'ouvrir. Et il y a bien la notice. Ouais, c'est la bonne notice. La notice qui est, ouais, qui est un peu... voilà quoi, un peu moisi. Et le CD, il est un peu moisi ou pas? Oh, putain, il est nickel. Putain, bah, il est nickel. Ah, il yonk. Voilà, c'est tout pour cette deuxième partie. Il va y avoir une troisième partie du compte rendu de Ville-Grenier. Plus de 130 jeux. Après, il y a aussi, c'est vrai que j'ai oublié que j'avais pris deux cartouches, c'est-à-dire une cartouche de Game Boy Advance et une cartouche de DS. Donc ça, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Vous verrez, c'est des bons titres, hein, par contre. Hein. Là, c'est des bons titres, les jeux que j'ai pris. Du coup, merci d'avoir regardé cette deuxième partie comment ça s'appelle ? De compte rendu de vide-grenier. Là, c'était énorme. J'ai galéré pour rentrer. Putain, pfff. J'en pouvais plus, j'étais obligé de prendre le métro, tout ça, avec les trois gros sacs, j'en pouvais plus, j'étais en PLS, hein, putain. Pouf. Du coup, s'il y a des jeux qui vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter, hein, vous verrez, vous tapez Neuilly Game sur Vinted et Retro Neuilly sur Le Bon Coin et vous verrez mes profils et vous verrez sans doute les jeux apparaître. Soit je vais les vendre en lot d'un seul coup, soit je vais les vendre un par un, mais bon, ça, un par un, ça va être long, mais je pense que peut-être qu'un par un, s'il les vend 3-4 euros, honnêtement, c'est plus que raisonnable. Il n'y a personne qui va me gueuler dessus pour me dire « Ouais, tu revends des jeux !» Mais allez vous faire foutre, j'en ai rien à branler, je fais ce que je veux. Et je vous emmerde, comme dirait Cartman. Du coup, je revends les jeux, parce qu'il faut bien que je me fasse de l'argent. Hein. Vous faites quoi dans la vie? Vous faites pas de l'argent? Vous travaillez pas? Ben voilà, c'est ça mon travail, c'est de revendre les jeux. Du coup, vous verrez ça sur Vinted et Le Bon Coin. Ou à part si Alex Gaming ou Sony Adventure, je regarde des vidéos, j'espère, est intéressé par quelques titres, mais sinon ensemble va se retrouver sur Vinted ou Le Bon Coin. Déjà j'ai déjà réservé 5 jeux pour Alex Gaming, donc tes 5 jeux ils sont sur le côté, hein, t'inquiète pas, ils sont mis là, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, ils sont là les 5 jeux que tu m'as demandé. Le reste après, pour l'instant je les revends. Si Alex Gaming et Sony Adventure est intéressé par les titres, vous me les dites en commentaire.
Comme ça, moi, je les mets de côté et quand on se verra ou je vous les envoie, bon, Alex Gaming, comme il habite sur Paris et pas très loin de Paris, je vais pouvoir lui donner directement. Ça évite de dépenser de l'argent pour envoyer. Par contre, si Sony Adventure les veut, s'il monte un de ces quatre sur Paris ou alors on fait via Vinted ou comme ça te coûte moins cher. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire s'il y a des titres qui vous ont intéressé. Ça, on pourra faire un échange ou bien je vous les revends. Ça sera maximum 3-4 euros. Hein. À part peut-être un titre qui cote un peu, mais sinon, c'est dans les 3-4 euros. Donc, franchement, je suis plus que raisonnable, les gars. Hein. Donc, venez pas gueuler en commentaire et venez me dire « Ouais, tu revends tes jeux, machin, truc. Hein. » Je m'en bats les couilles, en fait. Ça m'intéresse pas. Hein. Je fais ce que je veux. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Allez, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous, commentez, partagez, likez. Voilà, que dire. Ciao!